La qualité. La qualité, on y va. Pourquoi? Quittez vite l'espace. Libérez l'espace, les garçons. Vous pouvez faire, vous libérez l'espace. Vite, la qualité, c'est plus. Regarde là où il est. Regarde là où il est. Allez, on est accéléré. Oh. Allez. Ouais. Pourquoi ça? Là, on le voit. Vite. La qualité. Je suis à point d'appui. La qualité. Ezekiel. Vite. Ouais, bien joué, la ça. La qualité. Yes. Vite. Ouais, bien joué. Allez. Bravo les champions. La qualité, bravo les champions. Oui. Vite, c'est ça. Vite. Je veux plus voir ces gants tout à l'heure. Vite. Il faut les déposer quelque part, les gants. Vite, la qualité, les gardiens. Voilà. Hey, vous le faites pas bien, les deux là. Ok, la prochaine fois. La prochaine fois, laisse les gants sur la touche, d'accord? Oui, vite. La qualité. Bravo. Vite. Ok, vite. Jusqu'à la fin. Allez, et recule, frère. Voilà, c'est bien ça. Allez, vite en bas, vite. Vite, on n'attend pas, vite. Ouais, parfait, vite, ouais, bien joué, Jimmy. Recule, frère, oui. Ok. Eh, Jimmy, laisse-moi. Eh, ouais, voilà. Ça, c'est qui ça? Allez, Hamza. Allez, Rivado. Ouais. Bravo, Hassan et son partenaire. Ezekiel et son partenaire. Hey, vite, c'est une vitesse. Ouais, bien joué, parfait. Vite, bravo, parfait, son partenaire. Oh là là. Ouais, bravo, Wadja. Ouais. Ouais. Bien joué, ouais. Champion. Ok. Allez-y, mais c'est ça, bien. Hé, hey, qualité, on n'attend pas. Vite. Ok, on sort les jambes. On monte bien. On monte bien, la boîte est dégagée. Sois un peu plus décontracté, sois un peu plus relâxé. Hein. Oui. Voilà, bien joué. On monte, on va en élan. Ouais, on va en élan, garçon. Et les garçons, regardez. Là, on va en élan, voilà. Loin. On va en élan. Et vite. Loin et vite. Voilà. Ouais. On va en élan, on va en élan. Voilà. Oui. Oui, on va en élan, on va en élan. Voilà. On cherche l'élan devant. Bien joué, champion. Oui. Vite. Ouais, Zimé, tu vas voir encore plus vite. Hein. Ouais, c'est mieux là. Ah là, hey, attention, là, ils sont à ras-le-bol, le sol, faut que ça décolle. Première séance d'entraînement au centre d'entraînement, bien sûr, sport études de Ndali. J'espère que vous avez vu un peu la séance d'entraînement. Maintenant, par rapport à cette séance d'entraînement, je vais me prononcer. Mais avant de me prononcer, bien sûr, ici, c'est l'URES Télé 3.0, la chaîne YouTube qui fait la promotion du football béninois à travers nos vidéos, tout ce que nous faisons ici. Donc, si vous partagez cette thématique, likez la chaîne, abonnez-vous. On a changé de setup, c'est pourquoi vous allez voir que, bon, le décor en fond, c'est pas les mêmes choses comme d'habitude. Et on va faire les choses chap ici. Et bon, en tout cas, ça pourrait changer de temps en temps. Avant d'aborder ces sujets pêle-mêle, ma formation YouTube est toujours disponible. Pour ceux qui veulent faire des contenus YouTube, des vidéos du genre jusqu'à aboutir à la monétisation, un seul contact, plus 229 53 63 87 30. Vous allez faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation. YouTube va vous payer de l'argent à la banque à la fin de chaque mois. Et c'est vrai que c'est du travail. Prenez notre formation YouTube. On va vous montrer le chemin, ce qu'il faut faire pour pouvoir aboutir bien sûr à la monétisation et être payé. Notre formation est disponible. On est en promotion actuellement. Les prix sont divisés. Contactez le plus 229 53 63 87 30. Si vous ne prenez pas vite, c'est fini. Et après, bon, on n'aura plus votre temps. Hein. Donc, courez rapidement. Vous avez vu les séances d'entraînement, bien sûr, au centre d'entraînement, sport études, centre d'excellence, bien sûr, à Ndali. Bon, c'est un peu comme, c'est à l'image de Clairefontaine en France. Vous voyez la fédération qui a son centre. Bon, c'est ce qui devrait être fait depuis. Bon, j'avais déjà clamé haut et fort. Ici, sur YouTube, plusieurs fois, qu'il faut faire un centre étatique, bien sûr. Même la sélection nationale, les Guépards peuvent aller préparer, bien sûr, des matchs là-bas. C'est important. Et il faut faire aussi des stades dans le Nord pour que, bon, ce n'est pas tout le temps qu'on essaiera de jouer, qu'on jouera, bien sûr, au stade général Mathieu Kérékou. Il faut se déplacer aussi. C'est ce qui se fait dans les autres pays. Cette chaîne est faite pour
conseiller bien sûr en sept thèmes, je dirais, pour conseiller bien sûr la fédération. On est en train de travailler pour l'évolution du football béninois. Donc, bon, par rapport aux méthodes d'entraînement, ce sont des méthodes d'entraînement un peu à l'espagnol. Bon, on crie à gauche et à droite les Guardiola, méthodes d'entraînement un peu sud-américain, les Argentins, les Marcelo Bielsa. On crie, mais il y a un mot qui revient toujours, qualité, 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 je ne sais pas. Maintenant, j'ai constaté aussi que les entraîneurs avaient la pression. Je ne sais pas s'il y a des autorités là qui sont en train de les regarder. Je ne sais pas si le chef de l'État, Patrice Talon, est là. Ils ont, je ne sais pas pourquoi ils ont la pression. On dirait qu'ils ont peur. Mais c'est votre boulot, c'est votre boulot. Vous devez vous concentrer et être zen. Vous devez être calme. Mais ils sont sous pression. On a l'impression. Peut-être parce qu'ils ont vu, bien sûr, les caméramans de la fédération. Ils ont vu la caméra et ils se sont dit, bon, qu'est-ce qui se passe là? Et ils sont troublés. Bon, on crie à gauche et les deux crient au même moment. Quand vous êtes deux entraîneurs, deux coachs, quand l'un parle, l'un doit se taire. Mais les deux sont en train de crier, qualité, gay, toi, qu'est-ce que tu veux? Sors les balles, gay, pour montrer leur rigueur. Non. Non, non, non. Donc, c'est des choses qu'il faut corriger. Ouais, c'est un peu ça. On n'est pas des donneurs de leçons ici. Mais on connaît un peu les rouages. On sait ce qui se passe. Donc, vous prenez ce que vous voulez. En tout cas, on se dit à tout à l'heure. À 21h, j'ai un gros direct à faire avec vous. À 21h, un gros direct YouTube. Donc, soyez câblés, soyez scotchés pour suivre ce direct-là. Et j'espère que vous serez nombreux. On va parler de l'élimination des Guépards une semaine après. J'ai attendu une semaine après. Chacun aurait bien sûr digéré bien sûr l'élimination, parce que quand tu lances un direct comme ça après, juste après l'élimination, les gens vont déverser leur colère. Il y aura beaucoup de mauvais commentaires, ça pourrait bannir la vidéo et tout et tout. Et je suis en train de préparer aussi, bon, les joueurs venir, vous allez appeler en live et donner vos avis. Vous allez appeler sur YouTube en live et donner vos avis. Donc à 21h pour le direct. En attendant, on sera en train de balancer les vidéos par-ci par-là. Il y a la liste, bien sûr, des Amazon, tout ça là. En tout cas, on se capte.